L'utilisation de l'argent du mondial, c'est simple. L'argent du mondial, la dernière phase qui sera décaissée par la FIFA, va servir à développer le football. Vous savez le forum qui s'est tenu à Yaoundé. Ce forum, tout ce forum, c'était trouver les voies et moyens pour développer le football. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire avec l'argent du football que de développer le football. Et la fédération va utiliser donc cette manne de la FIFA pour développer le football. Le développement du football passe par la formation à la base. Le développement du football passe par le développement de la médecine sportive. Le développement du football passe par la mise à niveau des infrastructures. Le développement du football passe par la formation des formateurs, former les entraîneurs mieux outillés pour préparer les équipes à la haute compétition. Le développement du football, c'est également former les journalistes que vous êtes au métier du football, à mieux commenter les matchs et à mieux les voir. C'est ça aussi développer le football. Parce que vous êtes, le football n'est autre chose qu'un spectacle. L'offre de la qualité du spectacle doit être en permanence améliorée. Et pour que ce spectacle soit bien vendu, nous sommes obligés de passer par vous, mesdames et messieurs les journalistes. C'est pour cela que il me souvient qu'il y a un an ou deux, il y a eu un séminaire qui a été fait au sein de la FIFA Foot pour les journalistes sportifs spécialisés dans le football. Ainsi, mes souvenirs sont encore bons. Tout cela rentre dans la formation et dans le développement du football. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, vous en conviendrez avec moi que le champ de développement du football est un champ vaste, grand, qui nécessite des moyens colossaux. Donc, nous allons mettre un peu de notre part par cette manne qui nous vient de la FIFA pour notre participation à la Coupe du Monde pour développer le football.